카웨라 트리마니레 아마니 Merci pour la paix. Merci parce que tu es le prince de paix. Tu avais été prédit depuis très longtemps que tu allais donner la paix. Parce que ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, voici un fils nous est donné. Un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Kandi ukuganza kuzaba ku bitugu bye. On l'appellera prince de paix. Bazamwita umwami w'amahoro. Père éternel. Bazamwita Dawe uhoraho. Emmanuel. Azaba Emmanuel. Nous te rendons grâce ce matin. Turagushima mana. Turagushima. Merci parce que les cœurs qui étaient troublés, tu leur as donné la paix. Même les apôtres, lorsqu'ils t'ont vu mourir à la croix,
ils ont manqué la paix. Et la première chose que tu leur as dite lorsque tu es apparu, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Merci, prince de paix. Merci le prince de la paix. Merci parce que nous qui étions condamnés par le péché, aujourd'hui nous pouvons marcher dans la paix étant justifiés. Merci Seigneur pour la victoire à la croix. Nous combattons plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Nous te rendons grâce pour ça, Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que marcher avec toi, c'est comme regarder un match qui a déjà eu lieu. On connaît déjà le résultat. Nous savons que nous allons gagner. Nous savons qu'avec toi nous sommes vainqueurs. Et nous savons que nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Merci Seigneur parce que les cieux sont un héritage et une promesse. Et le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Nous pouvons déjà palper et ressentir ton amour, Seigneur notre Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Seigneur, si tu peux nous rendre capables, afin que nous puissions aller jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que nous proclamions tes bontés, afin que ceux qui sont liés encore soient libérés, Seigneur. Seigneur, réponds sur nous ton esprit, parce que cela aussi est une promesse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Merci, worship team. Nous avons la paix en Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si tu as la paix en Jésus, Christo, si tu n'as pas la paix, est-ce qu'on peut prier pour toi? Parce que j'aimerais pas qu'on continue s'il y a quelqu'un qui est troublé dans son cœur. Parce que nous allons parler des choses, des choses qui concernent les gens qui ont la paix avec Jésus. Vous savez, il y a la paix. Mais il y a aussi la paix. Amen. 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 Il y a la paix. Il y a aussi la paix. Lorsque Jésus parle, il dit, je vous donne la paix. Mais pas comme le monde la donne. Parce que le monde aussi donne la paix. Alors on peut se poser la question, savoir, est-ce que lorsqu'on parle de la paix, on peut parler d'une qualité dans la paix? Pourquoi Jésus dit pas comme le monde la donne? Parce que s'il fallait avoir la paix et que le monde est capable de donner la paix, alors pourquoi nous avons besoin de la paix que Jésus donne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus apparaît aux disciples, il leur dit, je vous donne que la paix soit avec vous. Oui, nous avons besoin de la paix. Pas seulement de la paix de Dieu, mais la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me saisis bien. La paix avec Dieu, ça veut dire que je suis en bon terme avec Dieu. Amen. Amen. Tandis que la paix de Dieu, c'est comme toute autre paix que je peux recevoir dans mon cœur, tranquillisé par rapport à une situation donnée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la paix avec Dieu? Amen.
la réconciliation avec Dieu. Revenir dans la présence du Seigneur. Et dire, Seigneur, nous sommes en bon terme. Seigneur, tu ne me dois rien. Qui pense que Dieu lui doit quelque chose et qu'il a besoin de la paix avec Dieu avant que nous continuions, avant que nous puissions continuer. Nous allons prier. Seigneur, nous prions. Jésus, tu es notre réconciliateur avec le Père. Nous prions que la paix que tu donnes, ces cœurs qui ont besoin de cette paix, puisse la ressentir ce matin. Soit réconcilié avec toi, Seigneur. Si c'est à cause d'un péché, si c'est à cause d'un manquement à ta parole, un péché par action, un péché par omission, Seigneur, je prie que tu pardonnes. Parce que le cœur, il est sincère. Seigneur, donne la paix. Lorsque nous aurons la paix avec toi, nous aurons ta paix aussi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour la paix. Nous bénissons Dieu pour cette période que nous sommes en train de traverser. Depuis le début de l'année, Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Et lorsque nous avons commencé l'année, Dieu nous a mis à cœur de parler de la croix. Nous avons parlé de la croix de Jésus. Et nous avons parlé de tout ce que cette croix signifie dans nos vies. Nous avons vu que quand le monde voit la croix, le monde a peur. C'est pourquoi quand nous voyons la croix la nuit, lorsque tu es en train de rêver, tu vois la croix, tu as peur. C'est difficile d'associer la croix à quelque chose de positif. Nous voyons la croix au cimetière. Et lorsque nous voyons cela, nous avons peur. Je me rappelle de mon professeur de microbiologie à l'école secondaire. Et il nous disait ceci. Au cimetière, à cause des corps qu'on a enterrés, ça dégage une matière qu'on appelle le phosphore. Je ne sais pas comment on va appeler ça en Nyarwanda. Et lorsque il est en contact avec l'oxygène, ça crée des étincelles. Alors lorsque tu vas au cimetière la nuit et que tu vois les étincelles, tu as peur et tu cours. Et quand tu cours, tu crées un vide derrière toi. Parce que l'air va essayer, ces étincelles vont essayer d'occuper l'air que tu es en train de créer derrière toi. Et tu vas dire, il y a des esprits aussi. Oui, on a peur de ces choses. On a peur de la croix parce que la croix représente la mort, ça montre la mort. Mais lorsque nous venons à Jésus, il commence à nous dire certaines choses qui ont trait avec la mort. Il dit, jusqu'à ce que tu meurs avec moi. Si tu meurs avec moi, tu vas ressusciter avec moi. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à Jésus, nous n'avons plus peur de la croix. La croix devient une bénédiction au lieu de devenir une malédiction. Et nous pouvons bénir Dieu pour quelque chose comme la croix. Et j'aime beaucoup une chanson que nous chantons souvent ici en Kinyarwanda. C'est des choses impossibles dans le monde. Personne ne peut rendre gloire à Dieu pour la tombe ou pour la croix. Et je bénis Dieu parce que nous avons évolué et nous sommes arrivés aux promesses qui sont attachées aux gens qui ont cru à la croix et à ton salut.
Et si je ne me trompe pas, nous sommes en train d'arriver vers la fin de ce thème-là. Lorsqu'on m'a demandé de partager la parole de Dieu, Dieu m'a mis à cœur ceci. Ces promesses qui sont attachées aux enfants de Dieu. Oh, nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de promesses qui accompagnent ceux qui sont arrivés à la croix. Nous avons appris que Dieu va étancher notre soif. Amen. Amen. Le pasteur Eddie est passé dans ces choses et il a bien décortiqué ce thème. Pasteur Eddie yanyuze ahangaha yigisha ibyo bintu kandi abivuga neza. Nous avons vu la femme samaritaine. Twize kubyerekanye n'umugore w'umusamaria. Et nous avons vu que cette femme cherchait de l'eau. Kandi twabonye ko uwo mugore yari yagiye kuvoma amazi. Mais que Dieu a étanché plus que de l'eau. Ariko noneho Imana yamaze inyota irenze y'amazi. Il n'avait pas seulement besoin d'eau, mais il avait soif de Marie, il avait soif de beaucoup de choses dans son cœur. L'évangéliste Lambert nous a dit Dieu va répondre à nos prières. Certaines promesses qui vont avec les enfants de Dieu, c'est que Dieu répond aux prières de ses enfants. Est-ce que tu peux bénir Dieu parce qu'il répond à tes prières? Nous avons un Dieu qui écoute. Le livre de Hébreux nous dit que c'est un grand prêtre. Et qu'il n'est pas insensible à nos souffrances. Parce qu'il s'appelle Jésus. Dieu, homme. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement grand prêtre pour être très loin de nous. Mais il est aussi un homme capable de sentir nos souffrances. Et il répond à nos prières. Nous avons vu que Dieu va satisfaire à nos besoins. Alléluia. Amen. Et la semaine passée, nous avons vu qu'il va guérir nos maladies. Et il guérit toutes nos infirmités. C'est un Dieu de promesses. La parole de Dieu déclare que ces promesses sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et elles sont amen. Ça veut dire qu'elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a promis, il va réaliser. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler des fruits qui accompagnent cette promesse. Les fruits qui accompagnent la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Les fruits qui accompagnent la promesse de Dieu. Je ne suis pas un pédagogue. J'ai fait les maths physiques, je n'ai pas fait la pédagogie. Mais le peu de notion de pédagogie, c'est que quand on répète quelque chose, hein, ça entre facilement. N'est-ce pas, Mama Chani? Alors, nous allons répéter ensemble. Les fruits, tu fais dans quel, n'importe quel langue que tu veux. Je veux que tu répètes. Les fruits qui accompagnent la promesse de Dieu. Les fruits qui accompagnent. Alors répète sans que je répète ça encore. Ok, au moins tu sais de quoi on va parler. Même si tu quittes d'ici, tu vas dire on a parlé de ça. Je me rappelle d'un homme. Il avait un problème de santé mentale. Il allait prier. Et à chaque fois on lui demandait qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, comme il voit dans la Bible, il y a des livres qui ont des noms des gens. Il
Il a dit. Alavogati. On a lu dans le livre de Christine. Pourquoi? Parce qu'il voit Ruth dedans. Il voit Esther. Esther. Il croyait que tous les noms étaient dedans. Alors ne sois pas comme cet homme-là. Quand tu quittes d'ici, sache qu'on a parlé des fruits qui accompagnent. La promesse de Dieu. C'est quoi la promesse? La promesse est un engagement. Ou un contrat qui va mettre une obligation entre deux, entre une partie et une autre. Alors ça fait qu'une partie a une obligation et une autre partie attend. Amen. Amen. C'est ça la promesse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vais venir te rendre visite. Que Dieu me pardonne pour toutes les personnes à qui j'ai promis de rendre visite, à qui je n'ai pas encore rendu visite. Mais je vais vous rendre visite. Alors quelqu'un te dit, je vais te rendre visite. Ça veut dire que toi, tu n'as rien à faire d'autre. Tu dois attendre afin que la personne vienne. Amen. Amen. C'est simple comme bonjour. Quand j'étais un enfant, on me disait, si tu es premier à l'école, on va t'acheter quoi? Hein? Les gens de ma génération, leur promettaient quoi? Un vélo, voilà, igare, exactement. Igare. C'était un vélo. Igare, igare. Pour moi, j'attendais un vélo. Malheureusement, je n'ai jamais été premier. Quand je suis devenu premier, j'étais tellement grand que le vélo ne me disait plus rien. J'étais toujours 13e. Vous voyez, je n'étais pas le dernier. Mais je n'étais pas aussi parmi les premiers. Et à la proclamation, on appelait toujours les 5 premiers. Et tous les autres, on allait en classe. On faisait par ordre alphabétique. Donc, comme je sais que je ne suis pas parmi les 5 premiers, je sais que je ne vais pas avoir mon vélo. La promesse, c'est qu'il y a une obligation. Que quelqu'un va faire quelque chose. Alors, à la promesse, hein, est attachée une notion du temps. Ça veut dire que ça ne va pas s'accomplir immédiatement. Il y a le moment où on décrète la promesse, le contrat il est signé maintenant. Et il y a l'accomplissement. Et durant ce temps-là, il existe ce qu'on appelle un parcours. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Parce que si nous parlons des fruits de la promesse, hein, si je vous fais tricher, j'espère que tu ne vas pas être déçu. Les fruits, il ne faut pas nécessairement les attendre au moment de l'accomplissement. Mais la promesse dont nous allons parler aujourd'hui, les fruits, tu commences à les récolter même avant d'avoir saisi cette promesse. Non, je suis en train de vous parler d'Abraham. Dieu lui a donné une promesse. Il lui a dit, tu vas avoir un fils. Non seulement un fils, je vais te donner une nation. Il avait 75 ans quand Dieu lui a donné la promesse. Il avait 100 ans lorsqu'il a vu un fils. Et Dieu lui avait promis des enfants qui étaient nombreux comme les étoiles et comme le sable de la mer. 25 ans, quel parcours. Imyaka 25 urumva urugo rugendo.
Oh, nous croyons que c'est Abraham seulement. Jacob. Jacobus. Nous avons parlé de lui la fois passée. La Bible nous dit, on lui a donné la promesse d'avoir une femme. Combien de gens ont la promesse d'avoir un mariage ici? Levons la main. Vous n'avez pas la promesse, ok. Vous allez attendre longtemps. Parce que la promesse n'est même pas encore arrivée. Mais c'est une promesse que nous avons dans le Seigneur. Alors le beau-père lui a dit quelque chose. Le beau-père. Il lui a dit 7 ans. 7 ans. Il a attendu 7 ans. Quand il a attendu 7 ans, à la 7e année, on lui a donné la femme qu'il ne voulait pas. Je pense que le beau-père a été touché. Il a dit, ok, je vais te la donner maintenant. Ok, nacho, mais tu vas encore passer 7 ans ici. Donc ça fait en tout 14 ans. 14 ans. Joseph. Joseph. Il rêvait beaucoup. Et c'était un don de Dieu. Beaucoup de gens ici ont des promesses de Dieu. Ils ont des choses que Dieu leur a dites. Mais Joseph, la Bible dit qu'il avait 17 ans. Lorsque ses frères l'ont vendu, et il avait 30 ans. Lorsqu'il est devenu premier ministre en Égypte, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour que ses frères viennent et qu'ils se courbent devant lui, la chose qu'il avait vu avant. Mais plus de 13 ans en train d'attendre la promesse de Dieu. Israël. Israël, qui aussi Jacob. Parce que Jacob, c'est lui Israël. Dieu lui a donné la promesse. Il a dit, monte en Égypte. Moi-même, je vais te faire remonter de là. Et Dieu, Jacob ne savait pas qu'il allait quitter de là comme une nation. Ça a demandé 430 ans. David. Samuel le rencontre dans la forêt. Samuel, il lui donne la promesse de devenir roi. Il a ou un roi. Ça lui a pris 15 ans pour devenir roi sur Israël. La Bible dit que quand il est devenu roi, il n'a même pas régné sur tout Israël. Il a fait d'abord 7 ans à Hébron. Et après 7 ans, il est allé à Jérusalem. Anne était une prophétesse. Elle vivait dans le temple. La Bible dit qu'elle avait vécu dans le temple 84 ans. Dans sa vie, elle était veuve. Et elle avait seulement vécu le mariage 7 ans. Et elle a fait 84 ans dans le temple en train d'attendre, pas un mari, mais en train d'attendre le Seigneur. Le temps. Pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Pourquoi, s'il est capable, s'il est tout puissant, s'il est capable de tout faire, pourquoi devons-nous attendre la promesse de Dieu? Oh, quand deux personnes contractent une promesse, je pense qu'il y a deux raisons qui peuvent faire à ce qu'il y ait un temps entre les deux. Soit la personne qui attend, il y a quelque chose qu'elle doit faire. Dans mon cas, je dois être premier. Pour que la promesse de Dieu arrive. Amen. Amen. Dans le deuxième cas, c'est que la personne qui doit accomplir n'est pas encore capable de faire. Amen. Amen. Alors je te dis, quand on va me payer, je vais te donner 50 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Je te donne la promesse, mais je ne suis pas capable d'accomplir la promesse. So, j'attends que le temps arrive, que je sois capable de le faire, alors je vais faire. Mais pour notre Dieu, ce deuxième cas ne s'applique pas. Pour notre Dieu, ce deuxième cas ne s'applique pas. A dit à ton voisin, pour notre Dieu, ce deuxième cas ne s'applique pas. Maintenant, pose-lui la question. Le deuxième cas, c'est lequel encore? Le deuxième cas, on a dit. Le deuxième cas, c'est quoi? Il n'y a personne pour faire mettre. Je répète. Le deuxième cas, c'est le cas où celui qui a promis n'est pas capable de faire. Il dit attends. Pour que je sois capable d'accomplir. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu, sa main n'est pas courte pour agir. Ni son oreille n'est pas morte. Notre Dieu est capable de faire. Et dans Luc 1, verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, nous sommes en train de faire comme si nous excluions les cas. Alors nous restons avec le cas maintenant qui fait à ce que nous attendions. Et c'est le seul cas qui regarde la personne qui attend. Dis en toi-même, je suis concerné. Je suis concerné. Je suis le seul concerné. Si Dieu me fait attendre, je suis le seul concerné. Il ne s'agit pas de Dieu. La Bible dit, Dieu ne subit ni changement, ni ombre de variation. L'ombre de variation, si on te met là-bas, le matin, on va voir ton ombre en train de taper là-bas. Si on te laisse là-bas toute la journée, le soir, même ton ombre aura varié. Ça sera maintenant de l'autre côté. Et la Bible dit, mais Dieu, son ombre même ne peut pas changer. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas lui seulement qui ne change pas. Même son ombre ne subit pas la variation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Alors, l'attente, le parcours, le parcours, la marche. Nous vivons un moment de l'histoire où tout va vite. Aujourd'hui, c'est la vitesse qui compte. Aujourd'hui, les choses qui vont lentement, on ne veut pas. Alors, lorsque nous venons chez Dieu, nous avons aussi ces tendances que nous amenons aussi chez Dieu. Nous voulons avoir un Dieu qui fonctionne comme le nido. Il y a une compagnie qui s'appelle Nestlé, ça fabrique des produits qu'on appelle des produits instantanés. Il y a Nido, Nescafé, Maggi. Ce sont des choses qui rendent les choses très simples. Tu jettes un tout petit peu et l'affaire, c'est fait. Immédiatement. On ne va pas attendre longtemps. Le café là qu'on va mettre dans la cafetière, attendre longtemps. Le lait qu'on va traiter longtemps, on ne veut pas. Aujourd'hui, le lait en poudre n'est plus en vogue ici. Hein? Mais pour ceux qui ne connaissent pas Nido, je vous promets que c'est bon. Nous, quand on a grandi, hein? J'ai un collègue de travail, il me dit souvent, dit, le temps change les choses.
quand je voyais Nido, je me disais le jour où je vais avoir un travail. Je vais acheter Nido. Nzagura Nido. Batanisongia bugali ya Nido. Basonje. Basonje remu bugali. Je vais manger un fufu de Nido. Ah, manje fufu ya Nido. Alors, on n'est pas prêt de patienter. Nabwo rero kwihangana n'ibikitubamo. On n'est pas prêt de patienter. Ntabwo kwihangana n'ibikitubamo. Si tu es en train d'écrire le premier fruit de la promesse de Dieu, c'est la patience. Ça crée la patience. Niba hari imbuto ya mbere y'umwuka w'Imana no kwihangana. Chez Dieu, kumana, il n'y a pas de tapis roulant. Na tapis roulant ibaho ya yinde. Chez Dieu, kumana, il n'y a pas de métro. Naza métro zibaho. Chez Dieu, kumana, ce n'est pas par avion. Na ndege. Si c'est par avion, tu... vous savez des enveloppes où on écrivait par avion. Hari arama amabahasha bajyaga bandikaho ngo mu ndege. Parfois ça n'allait pas par avion, ça nous trompait, parfois ça allait par bateau, mais on a écrit par avion. Kenshi amabahashazaga mu bwato ariko bakavuga ngo waza mu ndege. Et ça arrivait 3-4 semaines après. Kandi wakwandika bikamara nk'ibyumweru bine. Mais aujourd'hui, ariko uyu munsi, nous sommes sur WhatsApp. Tukoresha WhatsApp. Quand tu voyages, iyo tembera à Kanombe. Uri Kanombe, on connaît. Barabizi. Addis Abeba. Waja Addis Abeba. On sait que tu es là. Akabizi kwari ari huri. Amsterdam. Waja Amsterdam. On sait que tu es là. Batini wari. Toronto. Waja Toronto. On sait que tu es là. Bakamenya kwari huri. À l'époque, ikera on savait pas. Kera waragendaga ni baba guza huri wenyine. On se disait adieu. Mwarabwiranaga ngo urabeho. Bye. Aujourd'hui, on ne se dit plus adieu. La personne qui m'a amené vraiment vers le Seigneur, qui m'a formé dans la foi, nous étions à Bukavu, et un jour, on a dû lui dire au revoir. Vous savez où est-ce qu'il allait? Il allait très loin, à Lubumbashi. Et on lui a dit adieu. Je ne l'ai plus revu. On n'allait plus se revoir. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'on ne veut plus attendre même Dieu. Même Dieu, il doit fabriquer des choses instantanées. J'aime la personne de Job. Au chapitre 42, au verset 5, 4, 5 et 6, nous pouvons lire. Je vais lire et puis papa aussi va lire à chaque fois. Je lis un verset, j'aime, je lis un verset, vous lisez un verset, comme ça on reste dans le même moment. On ne se perd pas. Job parle. 42 verset 4 jusqu'à verset 6. Yakumurongo wa gatano ndatu. Écoute-moi et je parlerai. Noneho umva ndakwinginze ngiye kuvuga. Là, Job parle. 42, c'est le dernier chapitre. Job, ari baravuga 42 ni gice cya nyuma. Et si vous connaissez l'histoire de Job? Anga turabisoma ariko tuziko muzi amateka yo. Alors, vous savez que là, il est en train de dire les choses. Il a vraiment fait un parcours. Anga hari nzira yanyuzemo koko. Lui, les choses n'ont pas été instantanées. Il a fait un parcours. Ibi nabo byihuse kuri we. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 4. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, ariko noneho, mon œil t'a vu. Amaso yanjye arakubonye. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Nicyo kineye kwizinukwa nkaba nihanye nigaragura mu mukungugu no mwivu. Mais Job, Yobo, pourquoi tu te repens? Yobo kuki wihana? La Bible me dit, Bibiliya irambwira ngo, dans toutes ces choses Job ne pécha pas. Byose Yobo ntiyacumura. Job, la Bible dit, il ne pécha pas. Bibiliya itubwira ngo Yobo ntiyigeze acumura. Mais pourquoi il est en train de se repentir? Kuberi cyarimo yihana? Pourquoi il est en train de se repentir? Kuki yihana?
Vous savez, la repentance est différente de la confession. La repentance, c'est un changement de cap. C'est quitter une vue pour aller vers une autre vue. Cette fois-ci, Job dit une chose importante. Il dit au départ, c'était au niveau de mes oreilles. Mais aujourd'hui, c'est au niveau de mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Iman est à la recherche Iman, des gens qui ne disent plus « Venez entendre » mais « Venez voir ». Et c'est ce que la femme samaritaine a dit. Il a dit « Venez voir ». Venez voir quelqu'un qui m'a dit, qui a dit tout sur moi. Elle n'a pas évangélisé seulement. Elle n'a pas dit seulement les choses qu'elle a vues. Mais il les a attirés pour venir voir. C'est ça le défi que nous avons à l'église d'aujourd'hui. Nous avons ce défi aujourd'hui. Nous parlons beaucoup. On entend de nous beaucoup de choses. Mais on voit très peu de choses sur nous. On voit très peu de choses sur nos vies. Alors Job, il regarde. Il dit, j'avais entendu. Aujourd'hui, j'ai vu. Mais j'aime aussi comment ce livre commence. Dieu lui-même dit, cet homme était intègre et droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont été justifiés par Dieu ici. Laisse-moi te dire que Dieu va te donner une expérience. Il va te donner un parcours. Il va accepter que les choses traînent. Même si tu es droit et juste devant lui. Même si tu es droit et intègre. Tu vas attendre. Tu vas attendre. J'aime un homme de Dieu qui a dit ceci. Dans l'université de Dieu, il n'y a pas de double promotion. On ne peut pas te faire sauter de classe. Vous savez, il y a des enfants très intelligents qu'on fait sauter de classe. On dit non, lui il est très fort. Première vraiment, c'est pas lui. On lui met en troisième année. Chez Dieu, ça n'existe pas. Dieu va te faire passer toutes les classes. Parce que chaque classe a un objectif. La patience. La patience. Job. Il était intègre. Et droit. Il avait un problème dans son mariage. Regardez sa femme. C'était son problème. Dis-moi, Dieu est meurt. Job intègre droit. Ne savait pas que sa femme pouvait être comme ça devant un problème. Comment est-ce que tu sauras comment est ta femme si Dieu ne te fait pas patienter? Comment est-ce que tu sauras tout ce qu'il y a en toi si Dieu ne te fait pas patienter? La Bible dit dans le livre des Proverbes, c'est l'Éternel qui dirige les pas d'un homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas d'un homme. Sache que c'est Dieu qui dirige tes pas. Et c'est lui qui définit tes priorités. C'est lui qui va définir les priorités de ta vie. Et c'est le deuxième fruit du parcours. Les priorités vont changer. Quand tu attends la promesse de Dieu, le fruit que tu récoltes, Dieu te fait connaître les priorités. J'aimerais qu'on parle d'un homme. Un ministre. Dis avec moi ministre. 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 Est-ce que vous savez comment être ministre, c'est bien? Est-ce que vous savez comment être ministre, c'est une bonne chose? Ministre. 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 À l'époque, on leur donnait même des drapeaux.
Kera babahaga kumodoka zabo bashiragaho n'amabendera. Ipaiki ya ministre. Hari umu ministre umwe à l'époque. Kera. Tellement il devait avoir la gloire. Kubera ko yagombaga kugira icyubahiro. Il a roulé dans sa voiture, on avait mis donc il était toujours assis derrière à la place d'honneur. Yabaga yicaye inyuma mu mwanya w'icyubahiro ari mu modoka ye avec le drapeau. Imbere hari bendera ri pepera. Et puis la voiture a eu un problème, il y a eu une panne. Ha, imodoka yereza kugira ikibazo. Il a arrêté un taxi bus, un bus. Ahagarika minibus. Il a enlevé tout le monde. Abantu bose bakuramo. Il est allé s'asseoir derrière dans le bus là. Aja kwicara inyuma muri bus inyuma. On a mis le drapeau devant. Araje afata idarapo rishira kuri minibus imbere. Juste pour qu'il ne puisse pas perdre ça. Kugira ngo adatakaza icyacyubahiro cye. Acte chapitre 8. Icyakoze ni ntumwa igice cya 8. À partir du verset 26. Nous allons arriver jusqu'au verset 40, mais pas tout de suite. Nous allons lire petit à petit. Acte chapitre 8. Verset 26 jusqu'au 40. Nous y sommes. Acte chapitre 8. Munane kuva kuri 46 jusqu'au verset 40. Kugera ku murongo wa 39. À partir de 26. 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, le sud. Bucheye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugere ugane. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Uyere munzira imanuka iva Yerusalemu ikajya igaza ya yindi ica mu butayu. Il se leva et partit. Araguruka aragenda. Et voici un Éthiopien. Nuko aza umunyetiopia w'umuneke, ministre de Candace. Umutware w'umunyabyuma w'ibintu. Reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. Umugabe kazi w'abanyetiopia yari yaragiye i Yerusalem gusenga. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Yasubiyeyo yicaye ku igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. L'esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Umwuka abwira Filipo ati: sanga ririya gare ujyane naryo. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Filipo ariruka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubaza ati: ibyo usoma ibyo urabyumva? Verset 31. Umurongo wa 31. Il répondit: comment? Undi le pourrais-je? Nabishobora nte? Je suis ministre. Nabonye ubinsobanurira. Je suis ministre. Ah, nabishobora nte? Ndi ministre. J'ai arrêté de lire. Nahagaritse gusoma. Je suis ministre. Ndi ministre. Mais comment moi je peux comprendre? Njewe nabyumva gute ndi ministre. Je suis ministre des trésors, ça veut dire ministre de l'économie et des finances. Il a fait macro-micro-économie. Comment les enjeux de la politique mondiale, l'économie politique, il comprend tout ça. Il répond à un homme qui court. Arimo arasubiza umuntu uri mugende wiruka. Et qui court plus que le char? Urimo wiruka nka kurusha igare. Il lui dit: comment moi je peux comprendre ces choses? Aramubwira ati: se ibintu nabisobanura nabimenya gute? Si quelqu'un ne me guide. Niba nta muntu ubisobanuriye. Alors il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Yinginga Filipo ngo yurire yicarane nawe. J'aimerais qu'on s'arrête là un tout petit peu. Ndagira ngo tube duhagaze aha ngaha gatoya. Ministre. Ministre. Ministre d'une dynastie qu'on appelle Candace. Ministre w'abantu bitwa Candace. Ah! Pandaki. Kandaki. Kandaki. Il venait d'Éthiopie. Yaravuye muri Éthiopie. L'Éthiopie dont on parle ici. L'Éthiopie bavuga aha ngaha. C'est pas vraiment l'Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui. Ntabwo ari Éthiopie dusanzwe tuzi iki gihe. C'est peut-être le Soudan. Birashoboka ko muri iki gihe yaba ari Sudani. Une partie de l'Égypte et une partie du Soudan. Ni gipande kimwe cya Egypte n'ikindi gipande cya Sudan. Pas très loin de l'Éthiopie actuelle. Ntabwo ari kure ya Éthiopie y'iki gihe. C'était un ancien territoire.
Vous savez l'histoire de l'humanité. Amateka y'abantu. On dit que bavuga ko l'humanité est venue de toute cette région. Abantu imibereho y'abantu yaturutse muri ako gace. Une région qui s'appelle la Nubie. Ah no. La Nubie ou l'Éthiopie de cette époque-là, c'est pas très important. Libya cyangwa Éthiopie icyo gihe. Nubia icyo gihe. Amen. Amen. Alors, il régnait une dynastie. Permettez-moi qu'on écoute un peu cette histoire parce que c'est important de comprendre d'où vient cet homme. On dit cette énigme, c'est pas pour rien que c'est écrit dans la Bible. Il était ministre. Il était ministre du trésor. D'une reine. Qui s'appelle Candace. N'écoutez pas qu'elle était reine pour croire qu'elle était simple. Ne pensez pas qu'elle était simple. Elle n'était pas reine parce qu'elle était femme d'un roi. Elle était reine parce qu'elle régnait. Elle avait le pouvoir et l'autorité. Amen. Amen. Et Candace était une descendante de la reine de Saba. La reine de Saba, qui est celle qui est allée voir Salomon? Alors on peut se poser la question. Mais cet homme, c'était un Éthiopien. C'était un ministre. Le ministre. La Bible dit, il descendait de Jérusalem. Et il allait vers Gaza, en train de retourner en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il venait de faire à de Jérusalem? La Bible dit, il venait d'adorer. Comment connaît-il Dieu? Amen. Amen. Il est dit que ceux qui sont venus avec la reine de Saba, ils ont enseigné les voies du Dieu d'Israël dans leur territoire. Alors les Éthiopiens allaient en Israël pour adorer régulièrement. Les ministres, ils allaient en Israël pour adorer Dieu régulièrement. Donc ça faisait beaucoup d'années qu'ils le faisaient. Je n'ai pas eu le temps pour regarder la distance qui existe entre Jérusalem et là où il allait. Mais s'il était dans un char, c'est que c'était vraiment très loin. La Bible dit quand il rentrait, il faisait les mêmes choses qu'il faisait d'habitude. Il lisait la parole de Dieu. Comme toi et moi, on vient à l'église chaque jour. Nous venons chaque dimanche prier. Pourquoi? Parce que peut-être depuis traditionnellement nous avons connu Christ. Le Rwanda est un pays chrétien en majorité. Peut-être tu es fils d'un pasteur comme moi. Tu as connu la Bible depuis que tu étais même encore dans le ventre de ta mère. Tu as connu le livre avec les dessins. Oh, tu connaissais déjà l'Arche de Noé. Et il était sur son parcours et il courait comme d'habitude. Mais Dieu, qui connaît nos parcours, il a compris une chose. Cet homme a besoin de comprendre la nouveauté qu'il y a. Alors il a envoyé un homme qui s'appelle Philippe. Et Philippe veut dire amoureux des chevaux. Amen. Amen. Amoureux des chevaux. Écoutez, vous avez déjà vu un film où il y a des chevaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'un homme peut courir et attraper un cheval? La Bible dit il a couru jusqu'à attraper le char. Mais vous savez quoi? La même parole de Dieu nous dit
Iryo jambo rano ry'Imana ratubwira ngo que c'était l'ange du Seigneur qui lui avait parlé. Ngo no marayika w'Imana wari wamubwiye. Et que c'était l'esprit de Dieu qui l'avait poussé vers le Seigneur. Kandi umwuka w'Imana niwe wamusunitse gukurikira. L'esprit de Dieu est capable de courir plus que les chevaux. Umwuka w'Imana ushobora kwirukanka kurusha amafarasi. L'esprit de Dieu est capable de courir sur ton chemin et de t'attraper là où tu es en train de te perdre. Umwuka w'Imana ushobora kwirukanka ku nzira yawe kugushyikira ugeze. L'esprit du Seigneur est capable de courir et de venir t'arrêter sur là où tu as des problèmes. Et tu es en train de te poser des questions. Pourquoi cet homme revient de Jérusalem? Mais il se pose des questions. Pourquoi tu viens de l'adoration? Mais tu te poses toujours des questions. Tu es allé rencontrer Dieu. Mais à ton retour, tu es toujours en train de te... Tu ne comprends pas. Nous venons à l'église. Nous suivons Dieu. Mais nous ne comprenons pas ses voix. Je suis ministre. Mais comment je peux comprendre les choses de Dieu? Je connais Dieu depuis des siècles. Mais comment est-ce que je peux comprendre les choses de Dieu? Il dit, il y a un homme que je vais envoyer dans ta vie. Il va venir et il va t'expliquer. Alléluia. Amen. Il va monter dans le char avec toi. Le troisième fruit. Lorsque nous attendons tellement la promesse de Dieu, ça nous permet d'ouvrir nos chars aux autres. Ça permet à ce que les endroits que nous avons fermés pour nous parce que nous pensons que nous nous suffisons, nous comprenons que nous avons aussi besoin des gens dans notre vie. Alléluia. Amen. Parce que si cette histoire c'est seulement moi et Dieu, alors je peux aller au désert et vivre seul là-bas. Alors j'ai pas besoin d'église. Alors j'ai pas besoin de frères et sœurs. Parce qu'il y a Dieu qui existe. Il m'a promis. Ça va s'accomplir entre nous deux. Non, Dieu va le faire. Mais il va permettre que quelqu'un le fasse, il le fasse au travers de quelqu'un. Même si tu es ministre, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes qui jusqu'aujourd'hui ont barricadé leur cœur? Ils disent, je ne peux pas permettre que quelqu'un connaisse les détails de ma vie. J'ai donné de l'espace, les gens m'ont fait du mal. Oui, tu n'acceptes que personne n'entre dans ta vie pour ne pas qui ne te fasse pas de mal. Mais personne aussi ne va entrer pour te faire du bien. Est-ce que Philippe peut-il rentrer dans ton char? Pendant que tu attends de comprendre, de réaliser pourquoi tu es là. Oh non, la cellule, j'irai jamais à la cellule. Et d'ailleurs, celui qui explique là, il ne comprend pas. Vous savez, nous avons besoin d'autre chose. Philippe est en train de taper. Il veut entrer. Vous savez, Philippe, lui, n'est pas ministre. Hein? Il va venir, c'est un disciple, il court à pied. Est-ce que tu as su quand est-ce que tu as été visité? La promesse de Dieu, elle est là. Pour ceux-là qui sont arrivés à la croix. Mais peut-être que ça va passer par quelqu'un. Alors, cet homme fait rentrer Philippe dans son char. Il dit, en tout cas, je ne comprends pas ces choses. C'est quoi? Écoutez ce qu'il lisait, verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Écoutez, c'est compliqué. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra.
car sa vie a été retranchée de la terre. Ubwo yicishaga bugufi urubanza rwari rumukwiriye barumukuriyeho. Il dit, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est comme toi et moi. Nous prenons cette parole. Nous avons toujours entendu. Lisez la parole. Oh, priez. Ah, frère, moi quand je lis, je ne comprends pas. Quand je lis, je m'endors avec la Bible. C'est tout Lévitique. Ah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de sang. Il y a les animaux. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Oui, c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Vous voyez que cet homme n'est pas différent de nous. Il n'est pas différent de nous à notre époque. Il vient de l'église. Il vient du temple. Il vient d'adorer. Et il fait ça depuis longtemps. Et il est en train de rentrer chez lui. Il aime Dieu, ce n'est pas un problème. Il aime Dieu. Mais il ne comprend pas. On parle toujours. God has a purpose on your life. Dieu a un plan sur ta vie. Priez pour le plan de Dieu sur ma vie. Voyez, c'est métaphysique, je ne comprends pas. Accepte que quelqu'un rentre dans ta vie. Accepte de recevoir quelqu'un dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas seulement de tomber amoureux pour que quelqu'un entre dans ta vie. Non. Parce qu'il y en a qui peuvent confondre Philippe à Boaz. Alléluia. Non. On n'est pas obligé de tomber amoureux de toi pour t'aider. Kugira ngo umuntu agufashe ntabwo bisaba yuko aba yagukunze cyane. Je peux répéter? Subiremo. On n'est pas obligé de tomber amoureux de toi pour t'aider. Il peut venir comme un vent, comme le vent qui a défini. Et ça va changer toute ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième fruit. Nous connaissons Dieu tel qu'il est vraiment. Parce que c'est ça qui a suivi. Au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh, je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ces choses. Vous savez, cet homme connaît l'Ancien Testament. Il connaît l'histoire de la Bible. Mais vous savez, quand Philippe le rencontre, Jésus est déjà mort à la croix. Et alors, quand il regarde, il dit, je prie que tu comprennes que ces choses maintenant se sont accomplies. Je vous avais déjà été évangélisé depuis longtemps là-bas. Mais dis-leur maintenant. Non. Qui ne sont plus obligés de venir au temple tout le temps. Il y a une bonne nouvelle de Jésus maintenant. Il a dit le temps est arrivé où les vrais adorateurs ne vont plus adorer sur la montagne ou dans le temple. Rappelez-vous qu'il venait d'adorer Dieu. Il venait du temple pour adorer Dieu. Il était outdated. Vous qui avez les computers. Il avait les anciens. Comment on peut dire ça? Je ne sais pas. Il était sur Windows XP. Windows Vista. Il était loin. Windows Vista. Il utilisait les anciens Windows là, les versions. Aujourd'hui, il y a les tablettes. Aujourd'hui, il y a les tablettes. Vous savez, quelqu'un qui est mort en 2000, aujourd'hui, s'il ressuscitait. Et il voit WhatsApp, il voit tout ça.
Nous qui aimons le football. Te toi kundaga football. En 2000. Muri bibiri. Une équipe qui s'appelle la Lazio est devenue championne d'Italie. Ari chipe Lazio? Yeah, est devenue championne d'Italie. Yabaye ya mbere mu Butaliyani. Nous étions au Congo. Twari muri Congo. Le courant était parti. Muri ruragende. On n'a pas suivi le match. Te toi kurikira match. On n'a pas su ça. Ntabwo twigeze tumenya uko byagenze. On a connu ça jeudi. Twabimenye kwa kane. Entre-temps, on discutait à l'école. Agata, non, la Juventus ne peut pas perdre le titre. Quand on a vu jeudi, parce que le matin j'ai suivi à RFI, on n'a pas dit. Mardi, on n'a pas suivi. Aujourd'hui, même maintenant que je vous prêche, je peux recevoir 1-0. Je peux voir ça sur mon téléphone. Pour cette nuque aussi, ici. Il ne fallait pas qu'il rentre chez eux en Éthiopie sans savoir que Jésus est mort à la croix. Il ne fallait pas qu'il rentre sans connaître Jésus. Alors, dans notre parcours, si le chemin est long, si quitter Jérusalem vers l'Éthiopie, c'est très long, ne nous plaignons pas. Parce que Dieu va amener des mises à jour dans nos vies. Et nous allons connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Alors il dit, je suis ministre. Mais j'ai des incertitudes, je ne comprends pas. Et c'est dans nos incertitudes que Dieu nous rencontre. Oui, ne pense pas que parce que tu ne comprends pas tout, c'est que tu as un problème. Non. Oh, yeah. La foi est pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu comprends, tu n'auras pas besoin de la foi. La Bible dit, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en allant très vite pour terminer, au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a appris très récemment. Cette fois-ci, c'était un général. C'était un général. Oh, général. Général d'armée. Un général. Oui, Naaman. On a Naaman, pris Naaman. Naaman, il y a un général. Rappelez-vous de Naaman. Vous avez Naaman. Et je vais l'amener pour que nous puissions faire un contraste avec cet homme. Tous sont des étrangers. Bon, c'est un Naaman. Alléluia. Amen. L'Éthiopien, c'est un étranger, il n'est pas juif. Naaman, c'est un étranger, il n'est pas juif. Les deux, ils ont vu de l'eau. Mais celui qui a entendu la bonne nouvelle de Jésus, il a dit, je vais descendre dans l'eau. Quand on a dit à Naaman, hein, il a dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau chez nous là-bas? Lui aussi, il avait le Nil. Ce monsieur ici, il avait le Nil. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que le parcours avec Dieu devient plus important que notre propre ego. Notre fruit, c'est le sixième, si tu es en train d'écrire. Le sixième fruit, c'est que Dieu va détruire ton ego en attendant la promesse. Il va détruire l'ego en attendant la promesse. Comment un ministre peut descendre dans l'eau? Imaginez-vous. Dieu t'envoie, toi tu es Philippe. Imana ikakohereza wewe uri Philippe.
Et tu attrapes le ministre des finances du Rwanda. Ugafatayenda ugahurira na ministre wa finance wo mu Rwanda. Lui il est dans son V8, toi tu es à pied. Uri na maguru wari muri V8. Mais tu cours plus que V8. Uri muri rukanga kurusha V8. Et tu l'attrapes, il est en train de lire la parole. Ukamufata ari masomo ijambo ry'Imana. Et quand tu l'enseignes, il dit, eh, voici Nyabarongo. Wa mwigisha ati dore Nyabarongo hari. Est-ce que je ne peux pas être baptisé? Ese mbatizwe? Nabatizwa? Là tu commences à trembler. Cyo gihe ushobora gutitira. Parce que tu penses à Twitter. Kavuga ati ndatekereza. Tu penses aux réseaux sociaux, tu penses aux journaux. Waratekereza ibinyamakuru kuntu bizabishyiramo. On va voir. Le ministre dans l'eau. Ministre arimo yindikwa muri Nyabarongo. On va dire quoi? Bazavuga iki? Mais quand tu as rencontré Christ, ministre que tu es, ministre, parce que dans ton parcours, aussi long qu'il a été, Dieu t'a donné une occasion de le connaître tel qu'il est. Il a détruit l'ego. Tu es capable de descendre dans l'eau et de te dire, j'accepte d'être vulnérable. Et il s'est fait baptiser. Et le baptême qui veut dire mourir et ressusciter avec Christ. Lorsque nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Nous devenons vulnérables, nous acceptons que il aille avec nous et que nous remontions avec lui. J'aime le dire lorsque nous enseignons dans la classe de baptême. Pourquoi nous sommes baptisés d'eau? C'est quoi ce symbole? Et pourquoi il doit y avoir un pasteur pour te baptiser? Pourquoi tu ne peux pas mettre de l'eau dans ta baignoire, descendre là-dedans comme ça et puis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que quand on est baptisé, tu comptes sur la personne qui te baptise pour remonter. Alors tu dis, j'accepte de mourir. Moi, s'il n'y avait pas de pasteur, je n'allais pas accepter d'être baptisé. Parce que imaginez te dire, toi va comme ça, quand tu vas remonter, tu seras une nouvelle personne. Mais il n'y a personne pour me ramener. Alors, je vais comme ça. Alors Jésus dit, yes, ati, si tu meurs avec moi, nangi, je vais ressusciter avec toi. Nawe. Le brisement. Kumeneka. Accepter de mourir avec Christ. Emera upane na Christ. Et notre fruit du parcours. Iyo rero, kwemera gupfana na Christo, nayo nurundi rubuto rw'urugendo. Je crois que le temps est passé, nous allons prier un peu. Nyeka ko igihe cyarenze tujye gusenga gato. Mais tu as compris qu'il y a beaucoup de choses. Ariko wumvise ko hari ibintu byinshi. Et je veux que nous puissions prier dans cet angle-là. Ariko ndagira ngo dusengere muri ibyo nyine. Peut-être que tu as un ego très fort et tu n'acceptes pas que personne rentre dans ton cœur. Peut-être que tu te crois à maîtriser certains sujets que d'autres aussi tu te dis, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Birashoboka yuko wumva ibintu bimwe na bimwe ubyumva udakeneye ko hari undi muntu kwinjira kugusobanurira. Demande à Dieu de saisir tous ces fruits de la promesse. Saba Imana ikuhe izo mbuto zose zituruka mu isezerano. Demande à Dieu qui te donne ces fruits de la promesse. Savimana iguhe izombuto zituruka mu gutegereza isezerano. Afin que dans ton parcours avec le Seigneur, kugira ngo mu rugendo rwawe n'umwami Imana, tu ne sois pas toujours à la recherche des produits instantanés. Udashakisha buri gihe ibintu byihuta. Ne sois pas toujours dans le trading avec le Seigneur. Ntukajye mu bintu byivunjura n'Imana. À chaque fois, il y a quelque chose que tu attends qu'il fasse, quand il n'a pas fait, tu es triste, tu es. Igihe cyose hari ikintu utegereje ko Imana iri bukore igatinda kugikora ukababara. Nous allons nous lever aujourd'hui. Reka duhaguruke rero uyu mwanya. En acclamant très fort Jésus. Dukomera cyane umwami Yesu amashyi. Acclame le Komera Yesu amashyi, komera Yesu amashyi. Acclame le Seigneur. Komera umwami amashyi. Jésus est bon. Yesu ni mwiza. Jésus est bon. Yesu ni mwiza. Jésus nous fait du bien.
Yesu ni mwiza. Si tu as besoin de patience dans ta vie, nibyo koko ukeneye kwihangana mu buzima bwawe. Commence à prier, commence à dire à Dieu. Tangira ugira icyo ubwira Imana, tangira ugira Imana. Dans mon parcours. Gira Imana muri urugendo rwanje. Sur mon parcours dans le désert. Muri urugendo rwanje rwo mu butayu. En train de retourner en Éthiopie. Ndimo ndasubira muri Éthiopie. Seigneur, je veux marcher mais je veux patienter. Mana ndashaka gukomeza urugendo ariko ndashaka no kwihangana. Apprends-moi les nouvelles choses que je dois apprendre. Bishyashya ngomba kwiga. Qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau, Seigneur? Seigneur, j'ouvre mon char. J'ouvre mon char. Rentre dans mon char. Parle à Jésus. Dis à Jésus. Il y a des choses que je connais dans ma vie. Je suis ministre de ma vie moi-même. Mais je prie, Seigneur, que tu viennes dans ma vie pour m'apprendre ce que je ne comprends pas. Viens dans mes incertitudes. Viens dans mes faiblesses. Viens dans mes combats. Viens dans mes limitations. Seigneur, je veux prendre la mesure de l'importance des autres dans ma vie. Je veux prendre le bien qui existe dans les autres dans ma vie aussi. Je veux te connaître tel que tu es vraiment, tel que tu es vraiment. Je veux être un homme, une femme de foi. Je veux avoir la foi dans ma marche avec toi. Je veux parcourir, marcher, mais en laissant derrière mon ego, en étant vulnérable seulement à toi. Seigneur, descends dans ma vie. Mwami manukira mu buzima bwanjye.
Philippe à côté de toi. Fata Filippo uri ruhande rwawe dusenge. Tu vas prier dans sa vie. Umusengere mu buzima bwe. Sois Philippe pour l'autre. Buri wese abe Filippo mugenzi we. Que tu acceptes que quelqu'un rentre dans ton char. Wemere ko ari umuntu winjira mu igare ryawe. Et prie. Prie comme Philippe. Prie comme Philippe a prié. Parle dans la vie de ton frère, de ta soeur, comme Philippe a parlé. Afin que les choses qui sont anciennes passent et que les nouvelles choses viennent. Commence à parler. Prie. Confesse. Si tu crois, tu peux être sauvé. Tu peux voir le salut dans sa vie. Tu peux voir le changement dans sa vie. Lorsque l'eunuque éthiopien fut baptisé, après avoir été baptisé, amaze kubatizwa, Philippe a disparu. Philippe a essayé abura. L'esprit du Seigneur enleva Philippe. Umwuka w'Imana yahise ajyana Philippe. Il ne le vit plus. Ntabwo yongeye kumubona. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Je prie le Seigneur que tu continues ta route dans la joie. Que tu continues ta route dans la joie. Dieu va amener des gens dans ta vie peut-être pour une saison. Mais lorsqu'ils seront partis, maintenant tu seras capable de continuer jusqu'en Éthiopie. Mais avec de nouvelles choses. Que la joie du Seigneur, la communion avec le Saint-Esprit, soit avec vous. Amen. 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 Ganze muri nje unyigishe umindure unyiyobore we kuri njye dose
shaka mukawe.